c'est clair, tous les matchs, hein, sont importants. Et là, c'est vrai qu'on est dans une phase positive, donc c'est clair qu'il faut s'appuyer sur ça. C'est clair que, certes, on voulait récolter le maximum de points à la Méno le dernier match. Ça ne s'est pas fait, donc c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, qu'on va pas travailler, pas. Voilà, enfin, on va garder ce moral positif qu'on a et avancer, parce que je pense qu'on fait des choses très très intéressantes en ce moment. Donc, et tout le monde est investi, tout le monde est concentré à 100%. Donc voilà, on va avancer dans notre championnat tranquillement. Et maintenant, on a 3 qui arrivent. Enfin, on va se déplacer à 3 demain. Donc on va là-bas pour récupérer des points. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe de 3? Voilà, très bonne question. Oh là, je peux pas te dire tout ça. Non, mais j'en ai aucune idée. Non, mais après, on sait que chaque match sont différents et ce sont des très bonnes équipes en face. Après, c'est aussi une équipe qui joue le maintien, donc ça va être un match très important, un concurrent direct. Donc à nous de bien se défendre là-bas. Donc.